Eh bien bonjour, j'espère que vous vous portez très bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mode sur Jedi Academy qui s'appelle Knight of the Force. Donc j'ai eu énormément de mal à l'installer. Ça a niqué tout le dossier du jeu, etc. Il a fallu que je réinstalle le jeu, ça a détruit quasiment Movie Duels 2. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur ça. Et j'étais trop occupé à essayer de faire marcher les deux modes en même temps. Donc je vais faire... Donc en fait aujourd'hui c'est une vidéo de présentation mais aussi de détente. Alors je vais vous présenter un peu le mode parce que je vais pas commencer comme ça, sans rien. Mais je vais aussi vous lancer une petite mission, justement pour vous montrer un peu tout ce qui change, etc. Et puis les maps et tout. Donc c'est un mode qui sépare en plusieurs parties, on va dire. Donc on peut changer deux personnages. Donc il y a le Seigneur Sith, on a les Maîtres Jedi, on a les Chasseurs de Primes, les Forces Rebelles, les Forces Impériales, les mercenaires et mon royaume au départ. Mais bon, on a une liste vraiment complète parce que voilà, regardez, on peut cliquer encore, etc. C'est vraiment, vraiment très bien construit. Bon, moi je m'attarderai pas plus là-dessus, hein. Donc les armes, donc on peut choisir avec quoi on peut commencer. Donc hein, là c'est en gros c'est voilà, c'est basique. Mais le plus gros reste pour les sabres laser vu qu'on a le choix entre plus de, que je dise pas de bêtises, plus de 50 sabres laser différents. Donc on peut voir, bon pour l'instant il y a énorme ceux qui viennent du jeu de base. Après voilà, et là on commence avec Adi, voilà, Anakin Skywalker, Anakin Skywalker encore, et les modélisations sont très bien faites en tout cas. Donc moi je m'attarderai pas non plus là-dessus, hein, on peut choisir la couleur, de sabre, sabre à deux mains, sabre standard. Donc je m'attarderai pas plus là-dessus non plus. Alors ça c'est aussi un très 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 bon truc, c'est on peut donc en fait on a le choix. Au menu principal, bon avant tout ça, etc., on a un menu CD qui s'ouvre. Et en fait, on peut choisir sur plus de 150 PNJ les personnages qu'on peut introduire dans le jeu. Donc des PNJ aussi qu'on va mettre, etc. Ce genre de truc en fait. Donc c'est pas très bien compliqué, on peut mettre le jeu sur pause, etc. Donc on peut choisir sa mission aussi, bien sûr. Et on peut aussi charger une map. Donc par exemple... On va mettre n'importe laquelle hein, parce qu'après il va falloir que je charge la partie en question. Ça va être plus dur. Alors attendez. Donc voilà par exemple. Donc là bon, Obi-Wan, hein, on va pas s'attarder là-dessus non plus, on peut éteindre le sabre, faire des roulades, super, etc. Là on retrouve la magnifique map en question dans le premier épisode. D'ailleurs je ferai. J'espère faire très bientôt la vidéo en question. Je suis désolé pour les lags par contre parce que j'essaie de m'occuper de Fraf depuis quelques temps mais ça lag, c'est énorme, c'est chiant même. Donc voilà par exemple. Donc écoutez, je vais vous changer la map tout de suite et j'espère ne pas avoir de bug. Donc c'est parti. Alors j'ai activé un mode. Alors attendez, je suis vraiment désolé. Je vais baisser le son parce que c'est vraiment affreux. On va faire comme ça plutôt. Donc j'espère que le son vous m'entendez toujours parce que c'est assez affreux on va dire. Donc par contre j'ai activé une configuration qu'on trouve dans Knight of the Force tout en bas. C'est le sabre laser réel. Bon ça marque R, là voilà. Mais en fait c'est donc en fait les combats sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus stressants en sachant qu'on peut se tuer tout seul. Là, par exemple vous voyez elle a quasiment coupé. Voilà, bon c'est parti, en tout cas on continue, hein. J'ai créé une petite mission pour vous montrer un peu. Bien sûr je suis avec Qui-Gon, hein. L'un des personnages préférés d'ailleurs. Hop là. Donc bien sûr à la fin bien sûr il y aura un maître Sith ou un Sith à combattre. Bon bien sûr j'ai mis Lord Vador. Voilà, c'est là, vous voyez que c'est le premier niveau du premier épisode, bien sûr. Donc on peut voir qu'on est en train de gagner en tant que Jedi. Hello. Il se rendait, hein. Je vais me prendre la porte. Bon, il se rendait aussi, mais bon. Ah, oui, voilà. Bon, là, il y a... C'est la galère, là, de ce côté. Faut pas que je perde trop de vie. Voilà, bah on peut voir qui reste. Voilà, bon, on voit bien que c'est Lord Vador. Je perds pas de temps, je suis désolé, je les tue
Je vais essayer de tuer tout le monde quand même. D'abord, on va commencer par lui, parce qu'il est chiant. Allez, avance-toi. Ah! Saloperie. Je vais essayer de reprendre de la vie avant de combattre contre Lord Vador. Et ben voilà, j'ai pu récupérer un peu de vie. Donc on va continuer. C'est parti, bon voilà, le combat final. Je vous ai dit, ça dure pas longtemps, c'est pas vraiment pour... Par contre, on va faire gaffe à lui. Voilà, on va aller se mettre là. Parce qu'il se sent dire, il est vraiment très fort et... Et là, ça va faire attention au coup de sabre. Voilà, je suis désolé, j'ai eu un petit souci de bug, donc on se retrouve au même endroit, pareil, 31% de vie. À cause de ces éclairs, j'ai eu un souci. Je prends pas de risque, hein, j'essaie vraiment de minimiser les dégâts. Voilà, par exemple, voilà. J'ai été quasiment coupé en deux. C'est pour vous dire. Bon, ben, je pense qu'on va relancer. On va faire un dernier test pour voir. Puis on s'amuse toujours aussi bien là-dessus. Par contre, cette fois, je vais un peu les laisser finir. Je vais utiliser l'accélération pour éviter les tirs. Hop là. Ouh, une tête. Il y a un truc activé. Ah non, c'était pas récupéré ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut. Peut-être que c'est mon imagination, comme on dit, mais bon. Et j'ai aussi des petits soucis avec frappe, donc c'est vraiment galère à certains moments pour filmer. Parce que même quand j'augmente les FPS ou pas, ça, j'ai plein de bugs, c'est affreux. On va continuer à avancer. Voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien en tout cas. Oh, d'accord. Oulala. Là là. Voilà, un coup de chance. Et voilà. Attendez, je regarde un truc deux secondes. Tu vois si c'est toujours activé parce que ouais, c'est toujours activé. Parce que je voyais pas le démembrement donc. Bon allez, encore le combat final. Il passe où? C'est toujours quand je fais ce genre de choses que je meurs. Faut que j'arrête de faire ça. Comme je l'ai dit, il est beaucoup plus résistant que les autres. Voilà, on va esquiver ça. Il est vraiment chiant. Hop là. Et voilà, il m'a encore tué. En plus, il me coupe une jambe. Donc, on va faire un char de sauvegarde. On va partir sur autre chose. Même chose, hein, c'est sur le même truc, mais différemment. Voilà, par exemple. Là, tu commences dans le tas. Voilà, lui coupé en deux. Là, vous voyez comme c'est les reborn, comme on les appelle, mais c'est des je sais plus comment on les appelle vraiment.
Et voilà. Bon, là, il reste des droïdes, mais bon, je les ferai pas. Alors, on peut voir des scènes. C'est vraiment agaçant le sabre, c'est vraiment maintenant c'est devenu terriblement. Bon, bon, il est mort. Là c'est en train de laguer, j'aime pas ça du tout. Bon, on continue. Oh, mais t'es sérieux, la merde. Je vais récupérer de la vie, c'est facile vu que c'est juste au-dessus. Et bon, là je suppose que c'est Palpatine, je crois, un truc du genre. Ah non. Là vraiment j'ai mis Mace Windu contre. Et voilà. Franchement aujourd'hui j'ai vraiment pas de chance. Je n'ai absolument pas de chance. Donc ben voilà, cette vidéo détente de présentation se termine. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander. Je ferai d'autres vidéos sur Knight of the Force ou bien des petites vidéos de scénar, enfin petites vidéos de scénario parce que sinon on va confondre avec le scénar galactique. Les prochaines vidéos arriveront très vite, j'espère. Je ne peux pas vous dire pour le moment. J'ai assez, on va dire que c'est assez compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou même à à commenter ou même peut-être à vous abonner si c'est là où vous faites toujours autant. Et je vous dis à la prochaine vidéo et bonne continuation. Bye bye.